Hello. Et on est arrivé à Riga. On découvre. Riga est la capitale de la Lettonie. C'est une des plus grandes villes portuaires des pays baltes. La ville est parsemée de bâtiments dans le style Art Nouveau. Ils sont tous très colorés. On y ressent également une très forte influence laissée par le communisme et l'occupation soviétique, qui a duré jusqu'en 1991. Marché que Elodie voulait. Les Halles. Bon, c'est le plus moche que j'ai vu pour l'instant, mais il va certainement y avoir des bonnes choses à manger. Le marché central de Riga est un des plus anciens et des plus grands marchés couverts d'Europe. Il se trouve dans des hangars à Zeppelin, déplacés et rénovés pour l'occasion depuis 1930. Ici, le quartier de Moscou, anciennement ghetto juif. Un mélange de constructions en bois et de gratte-ciel stalinien. Notre visite de Riga s'arrête ici. Plus on avance, et plus l'envie de découvrir est grandissante. On est toujours partagé entre le temps qu'on passe sur place et le nombre d'endroits à visiter. Pour aller à Tallinn, c'est super lent en fait, les autoroutes ici c'est 70 km/h, le reste de la route. Rendez-vous demain à Tallinn. Alors, il fait pas super beau de ouf, mais je crois qu'on a trouvé le spot pour bouffer ce soir. Et peut-être même pour dormir. Il est 23h08, on est à 1h30 de route de Tallinn. On a trouvé notre spot pour dormir avec une vue pas dégueu. Et le soleil qui est toujours là à 23h08.